Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 9. Je veux simplement introduire cette semaine de séminaire. Étant donné le temps qui m'est imparti. Donc, la Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. J'aime beaucoup le règne de Dieu. J'aime beaucoup le... Parce que le règne, quand on parle du règne de Dieu, on parle forcément du royaume de Dieu. On parle forcément de la royauté. De la seigneurie. Amen. Amen. Que ton règne vienne où? Sur terre. Que ton règne vienne où? Sur ou dans ma vie? Dans ma famille? Mes affaires? Amen. Amen. Mes projets? Que ton règne vienne. Le Seigneur ici a répondu à la question des apôtres. Parce que si vous lisez dans Luc 11, les apôtres sont allés voir le Seigneur pour lui demander de leur enseigner sur la prière comme Jean l'avait fait avec ses disciples. Amen. Amen. Nous gardons Matthieu 9 et nous, 6, nous allons dans Luc 11. À partir du premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, Tata, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donc c'était la réponse de Jésus à la demande de disciples. Donc le Seigneur nous fait comprendre que dans la prière, nous devons d'abord sanctifier le nom de Dieu. Et nous devons prier à ce que son règne s'installe. Je vais développer pendant la semaine cet évangile du royaume. Et je ne pourrais pas dire à l'avance ce que Dieu va faire. Parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais je crois que parce que sa parole sera proclamée, il va se glorifier. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que le règne de Dieu doit-il venir? Dans nos vies? Sur la terre? Dans notre famille? Dans nos ministères? Dans nos projets? Une des réponses se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Nous lisons ceci. Excusez-moi. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous les chrétiens. L'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens. Mais le monde entier, lorsqu'il parle du monde, dans le grec c'est oikoumenes, c'est le monde habité. Le monde organisé. Des peuples. Mabota, des tribus, Mabota, des familles, Mabota, des langues, Makota, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et dans le grec, ici, puissance veut dire tout simplement autorité ou règne. C'est que le monde est sous le règne de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Et vous remarquerez que dans Luc chapitre 4, on va le lire rapidement. À partir du verset 5,
jusqu'au verset 6. Kino ya motoba. Le diable l'ayant élevé, Zabulu na kotombola ye, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Atalisi na mbala moko bikondinyonso ya mokili oyo. Tous les royaumes. Bikondinyonso. Braza. Braza. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Kinshasa. Kinshasa. Tout ce monde, tous ces pays. Nyonso bikolo wana nyonso. En un clin d'œil. Kaka na mbala moko. C'est vite fait. Kaka mbango mbango. L'ennemi va montrer à Jésus-Christ tous ses royaumes. Atalisi na Yesu Kristo. Et au verset 6, il lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Rappelez-vous bien que dans 1 Jean, il est dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Je te donnerai toute cette puissance ou cette autorité gouvernementale pour gouverner les nations, pour diriger des peuples, pour diriger des pays. Je te donnerai cette capacité si tu m'adores. Car cette puissance, cette autorité, cette capacité de diriger m'a été donnée. Alors nous savons que c'est l'homme, Adam et Ève, qui ont cédé leur autorité à l'ennemi depuis la Genèse. Parce que Dieu leur avait dit: dominez. Amen. Dominez sur les oiseaux du ciel. Dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les oiseaux. Mais comme ils sont tombés dans le péché, ils ont cédé. Et l'ennemi a récupéré cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dira: elle m'a été donnée. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, va parler à ses disciples en leur disant: voici comment vous devez prier. Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu. Alléluia. J'aime le règne de Dieu parce que je vois, depuis que le Seigneur m'a appelé, il y a de cela 20 ans, je ne cesse de voir le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut que partout où son peuple se trouve, qu'il y ait son règne. Dieu veut que partout où tu poses tes pieds, que son règne s'installe. Alléluia. Amen. Un jour, je prenais l'avion pour la Guadeloupe. Comme j'aime bien m'asseoir à côté du hublot, je vois l'avion qui était secoué comme pas possible. Et ce n'était pas quelque chose de naturel. Le Seigneur me pousse à regarder par le hublot. Et je vois des démons qui s'amusaient, qui étaient assis sur les ailes et en train de secouer l'avion, et ils se moquaient de moi. Alléluia. Mais je bénis Dieu. Et le Seigneur m'a poussé à prier pour que le règne vienne dans l'avion. Et après la prière, ils ont été chassés. Et j'ai vu les anges descendre du ciel, secouer, prendre l'avion. Alléluia. Alléluia. Non, nous avons un Dieu grand. Ce soir, je voulais juste nous introduire. Regardez. Dans l'univers, il y a des centaines de milliards de galaxies. Des centaines de milliards de galaxies. Et dans chacune d'elles, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc, nous, dans notre galaxie à nous, ce qu'on appelle la Voie lactée, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Toutes les étoiles que vous voyez font partie de notre galaxie à nous. Et autour de chaque étoile, il y a un système de planètes. Et notre étoile à nous, c'est le soleil. Vous ne pouvez pas partir de la Terre sur la planète Pluton tellement que la distance est énorme. En fait, en gros, l'univers est tellement grand. Tellement grand. Mais par contre, la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Or,
l'univers par rapport aux cieux des cieux et comme une goutte d'eau dans l'ensemble des eaux de la terre. En fait, l'univers par rapport aux cieux des cieux, c'est petit. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. Et Dieu dit dans Psaume 147, il connaît chaque étoile et il leur donne à chacune un nom. Donc ça veut dire que nous avons, tu as, j'ai un Dieu tellement grand, tellement puissant, que si tu as la révélation de ce Dieu, tu ne vas plus te laisser faire. Si ce Dieu se révèle à toi, aucun démon ne peut s'amuser avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Que ton règne vienne. Les apôtres, en commençant par le prophète Jean-Baptiste, ont proclamé l'évangile du royaume. Parce que le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. On va lire juste quelques passages. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1er au verset 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Jean a été le premier prophète à proclamer l'évangile du royaume, à proclamer le règne de Dieu. Mais pour que ce règne vienne, la repentance c'était la clé. Alléluia, indispensable. Jésus va prendre le relais dans Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Jésus est venu, il a proclamé l'évangile du royaume. Les disciples sont venus, ils ont été préparés par le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades. On peut lire à partir du verset 7. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les disciples sont venus, ils ont proclamé également l'évangile du royaume. En fait, ils prêchaient cet évangile qui amenait le peuple à rencontrer le royaume de Dieu, rencontrer le règne de Dieu. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier. Alléluia. Amen. Hier dans l'avion, à un moment donné, on approchait de Congo. Ça y est, il y a eu la présence de Dieu qui est descendue sur moi. Et je voyais une personne assise derrière moi. Les démons commençaient à vouloir se manifester. Et beaucoup de gens étaient possédés par les démons. Mais le monde est sous la puissance du malin. Le système de ce monde est sous la puissance du malin. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez ce qui se passe dehors. Quand vous prenez le minibus, quand vous prenez le taxi, vous risquez de voir les gens tels qu'ils sont, tels que Dieu les voit. Ça veut dire que vous allez voir que votre chauffeur, en fait, n'est pas un chauffeur, mais c'est plutôt un serpent, un boa. Comment allez-vous réagir? Alléluia. Le monde est sous la puissance du malin. Il y a des gens qui font des affaires, mais ils n'arrivent pas à percer. Il y a des gens qui ont des projets, mais ils n'arrivent pas à voir l'accomplissement de ces projets. Et l'ennemi est en train de régner, de travailler. Ah oui.
Mais il faut que le règne de Dieu vienne. Là où il n'y a pas le règne de Dieu, il y a le règne de l'ennemi. Je vous assure, frère. Alléluia. Amen. J'étais dans une église un jour. C'était une nuit de délivrance, miracle. Les gens aimaient Dieu. Mais c'était l'ennemi qui régnait. Je voulais prêcher. Dieu m'a dit non, il faut que mon règne vienne. Il a commencé à donner des paroles de connaissance. Ah, là, il y a Marie de nuit. Tac, c'est la chorale. Toute la chorale est nettoyée. Femme de nuit, Marie de nuit, sorcellerie, magie, tout ça là. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste? Parce que ce n'est pas lui qui règne, c'est l'ennemi qui règne. Alléluia. Amen. Vous savez que Jésus est l'homme le plus galant. Est-ce que vous savez que c'est le Dieu le plus parfait, le Dieu le plus beau? Jésus, c'est le roi de gloire. Avant qu'il ne vienne dans notre église, dans notre ministère, dans notre vie, il faut que les portes lèvent leur linteau. Alléluia. Amen. Quand il m'a visité une fois, il m'a demandé clairement, il fallait que je prépare ma vie, mon cœur, pour que son règne vienne. Alléluia. Amen. Pour que son règne vienne. Donc ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu, a été proclamé également par Paul. En quoi consiste-t-il? Romains chapitre 14. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En quoi consiste le royaume de Dieu? En quoi consiste le règne de Dieu? Suivez très bien. Paul dit, ce n'est pas le manger et le boire. C'est quoi cet évangile-là? C'est l'évangile de la prospérité. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu deviendras riche. Je t'assure, c'est faux. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu mourir à la croix pour que toi tu deviennes riche. Bien que Dieu puisse bénir les gens financièrement, mais ce n'est pas le but premier. Parce qu'il nous a dit ceci: cherchez premièrement le royaume, premièrement le règne de Dieu et sa justice, et le reste de choses vous le verrez par la suite. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi d'abord? Vous avez beaucoup de gens abandonnent la vie chrétienne parce qu'ils se disent: depuis le temps où je prie, j'ai des problèmes de finances, j'ai des problèmes de foyer. Il y a tout ce que je fais, rien ne marche. Mais où est ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Alléluia. Amen. Mais le règne de Dieu, ce n'est pas d'abord tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. La Bible nous enseigne, on va vous donner quelques clés. Et si vous saisissez ces clés-là, je vous assure, l'ennemi ne pourra pas bloquer vos finances. L'ennemi ne pourra pas bloquer votre foyer. Alléluia. Amen. C'est d'abord la justice. Ce soir, je vais développer la justice. La justice. Tout ce qui est équitable. Tout ce qui est digne de confiance. Alléluia. Amen. Tout ce qui est vrai. La justice. Frère, sœur, Dieu ne peut pas utiliser un homme ou une femme qui n'est pas dans la justice de Dieu. Que personne ne vous trompe. Si vous voulez avoir un impact très puissant dans votre mariage, dans vos projets, dans votre vie, dans votre ministère, la première clé qu'on trouve dans le royaume de Dieu, c'est la justice.
justice. Or, on rencontre de plus en plus de chrétiens qui ne vivent pas dans la justice de Dieu. Non. Quand je me suis converti, je servais le Seigneur, je prêchais l'évangile, mais je n'avais pas compris ce que c'était la justice de Dieu. Amen. Je n'avais pas compris cela. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi, dans ma chambre, c'est là qu'il m'a enseigné sur la justice de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu que Dieu utilise, dites-vous bien quelque part, il marche à la justice. À moins que ce soit quelqu'un qui est touché à la magie, à la sorcellerie. Alléluia. Amen. La justice, 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pratique pas le péché. Ça veut dire quoi? Vous êtes venus nombreux ce soir, que Dieu soit béni. Si vous suivez cet enseignement, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pratique plus. Ça peut arriver à un enfant de Dieu de trébucher. Mais un enfant de Dieu, selon la Bible, ne doit pas pratiquer le péché. C'est-à-dire faire des projets qui vont t'amener dans le péché. C'est-à-dire faire des projets à partir de chez toi. Un exemple, tu prends un rendez-vous avec une prostituée. Et tu vas jusqu'à l'hôtel. Commettre le péché. Commettre l'adultère. Et tu te dis non, Dieu me pardonnera parce que Dieu est tant que d'amour. Je vous assure. Vous savez, les hommes et les femmes que Dieu utilise, ce sont ces personnes sur qui Dieu peut compter. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Alléluia. Amen. La justice, c'est lui qui est né de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché. Et le verset 7 nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La nouvelle naissance. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Le secret pour garder l'onction, pour avoir une onction en permanence, ça veut dire vous dormez dans l'onction, vous marchez dans l'onction, vous méditez dans l'onction, vous prêchez sous l'onction. Le secret, c'est la justice de Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Pour exercer facilement le ministère prophétique, le ministère de la délivrance, le secret c'est la justice de Dieu. Ça coûte cher. Dans la justice, nous voyons plusieurs choses. Dans la justice, nous voyons le côté lion de Dieu. Il est lion et il est agneau. Vous devez manger l'agneau pour avoir la vie. Jean 3:16. Mais une fois que vous avez mangé l'agneau, Jean 6,
59 là-bas, le pain de vie. Maintenant, vous devez laisser le lion vous manger. Pour que vous mouriez par rapport au péché. Comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Dans la justice, le lion vous avale. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Dans la justice, nous voyons la crainte de Dieu. Frères et sœurs, oh, j'ai pas de c'est le secret que pour avoir un ministère puissant. La crainte de Dieu. Ça fait la crainte de Dieu. C'est cette sainte révérence que nous devons avoir vis-à-vis de sa personne. La crainte de Dieu nous dit Proverbe 8:13. C'est la haine du mal. La haine du mal. Beaucoup de ministères viennent me voir. Ils me posent une question, mais comment tu fais? Mais en 7 ans, il y a plus de 20 églises implantées et ça continue, ça va très vite. Plus de 100 personnes de formées qui prêchent l'évangile. Des blancs, des hommes d'affaires, des PDG qui sont touchés. Comment tu fais? Je leur ai dit le prix à payer. Le règne de Dieu. La justice. La crainte de Dieu. Une femme est venue un jour donner 47 000 euros. Et Dieu me regardait. J'ai eu le chèque. Plusieurs chèques. 47 000 euros. Comment j'allais réagir? Eh bien, vous savez ce que j'ai fait? J'ai tout mis dans ma poche. Ah non, on ne se serait pas connu sinon. J'ai tout pris. J'ai mis dans l'église. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Des belles femmes sont venues me voir. Des femmes que je ne pouvais pas avoir dans le monde. Des métisses. Des top modèles. Elles sont venues. Vous dites tu es beau. Nous voulons aller avec toi. Je regardais comme ça. Je dis Seigneur. Alléluia mon Dieu. Oh Nzambe nangai. Dalida. Oh Dalida. Alléluia. Qui veut garder la présence de Dieu dans sa vie? Qui veut laisser les empreintes sur cette génération? Qui veut voir les démons fuir rien qu'à sa présence? Le règne de Dieu. La justice. La crainte de Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu pries pour que Dieu te donne la haine du péché. La haine de l'adultère. La haine de la convoitise. La haine de l'impudicité. La haine du mensonge. La haine du vol. La haine de la compromission. La haine de tout ce qui n'est pas digne de confiance, tout ce qui n'honore pas Dieu. Si tu n'as pas cette haine-là, alors mets de côté ta vision par rapport à l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu appelle un homme ou une femme, il ne l'appelle pas seulement pour sa génération. Il l'appelle pour plusieurs générations. Vous avez la génération d'Abraham qui est ta génération à toi. Tu dois tout faire pour que l'œuvre de Dieu réussisse dans ta génération jusqu'à ta mort. Tu as la génération d'Isaac. C'est la génération de fils et de filles que tu es appelé à former. Qui vont prendre la relève. Et tu vas, il y a la troisième, la génération de Jacob. Les enfants des fils
que tu as formés et des filles. C'est trois générations. Si tu le réussis de ton vivant et à la fin de ta vie, tu diras comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne m'est réservée. Là, même à ta mort, la vision va continuer. Mais sinon, tu feras comme beaucoup. Comme le riz saint de Jonas. Ça pousse en un jour et en un jour c'est détruit. Ah non, mais Dieu l'avait utilisé. Oh, Dieu l'avait appelé. Mais maintenant c'est fini. Il est ou elle est usée. Dieu ne plus avec. Oh, quelle souffrance. La crainte de l'Éternel. La haine du péché. Frère, si le règne de Dieu vient dans ta vie, il y aura la haine du mal dans ta vie. Il y aura la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas te permettre de donner des ordres à Dieu. Comme beaucoup prient, Saint-Esprit descend. Bon, de la camoufle, mon sang, tu quittes. Non. Ce n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. De la révérence vis-à-vis de sa personne. Alléluia. Amen. L'autre chose que l'on trouve dans la justice de Dieu, l'honnêteté. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8 pour vous, vous notez cela pour la maison. Mais je vais juste lire le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. L'honnêteté dans les affaires. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'autre secret. Dieu élève les femmes et les hommes vrais. Dieu bénit les affaires, les ministères des hommes et des femmes vrais. Nous faisons tous des erreurs. Mais Dieu regarde à l'intention de ton cœur. Quelle est la motivation de tes pensées? C'est important. L'honnêteté. Alléluia. Amen. Dans les affaires. Vous qui faisiez les affaires, vous qui travaillez je ne sais pas où, s'il n'y a pas l'honnêteté, ce n'est même pas la peine de voir la main de Dieu. En 20 ans, j'ai peiné comme ça dans l'œuvre. Des propositions des femmes. Des propositions par des femmes par rapport à l'argent. Je pouvais prendre cet argent. Il y a même des pasteurs qui étaient pasteurs avant moi qui m'ont dit, mais t'as qu'à prendre l'argent pour aller faire des choses. Mais non, l'honnêteté, la transparence, la vérité. Et je vous assure, Dieu honore les personnes qui demeurent dans l'honnêteté. Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, qu'il pleut, qu'il neige, si tu es dans l'honnêteté, je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, que les hommes se moquent de toi, que les femmes se moquent de toi, que les autres roulent en Mercedes, mais toi marches toujours à pied. Mais il y a un temps, le Dieu de la Bible est un Dieu de temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gémir. Il y a un temps pour concevoir l'enfant. 9 mois après, l'enfant naîtra. Et quand l'enfant naîtra, tout le monde verra que l'enfant est né. Alléluia. Amen. Toi, veille sur l'enfant. Veille sur l'enfant que tu as dans le ventre. Cette vision que tu as. Veille sur l'enfant. Alléluia. Le règne de Dieu. Parce que
pendant que tu es dans l'honnêteté, Dieu va permettre à ce qu'il y ait des ennemis. Dieu va permettre à ce qu'il y ait des satanistes. Ne t'arrête pas sur ça. Et Dieu va permettre à ce que les gens te critiquent. Mais pendant ce temps-là, Dieu va lui-même dresser une table devant toi, en face de tes adversaires. Dieu le fait exprès. Et non seulement qu'il va dresser la table, il va prendre une bouteille d'huile, une huile fraîche. Il va commencer à oindre ta tête. Et non seulement qu'il va oindre ta tête, mais la coupe va déborder. Pourquoi est-ce que ta coupe va-t-elle déborder? Parce que tes voisins ont besoin de ton onction. Parce que ton mari a besoin de ton onction. Ta femme a besoin de ton onction. Ton patron a besoin de ton onction. Elle va déborder, mon frère. Elle va déborder, ma soeur. Dieu fera de toi un homme incontournable. Une femme incontournable. Reste la justice. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une semence. Quand on te sème, quand on te casse, quand on te rejette, tu es une semence. On t'enterre. Tout le monde t'oublie. Tout le monde te jette dessus le pied. Tu es enterré. Mais tu es une semence. Pendant que tu es enterré, la pluie va tomber. La pluie va t'arroser. Alléluia. Amen. Et au temps de Dieu, quand tout le monde va dire c'est fini, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent mauvais. Dieu aime ses paroles. Dieu prend les choses viles. Dieu prend les femmes et les hommes rejetés. Dieu les nettoie. Il les nettoie par son sang. Il prend son onction et met dessus. Vous savez, plus Dieu te brise, plus il va se servir de toi. De sorte que tu seras simple. Moi, Dieu m'a tellement brisé. Je ne veux plus qu'il me brise. Je me force à être simple. Parce que j'ai vu le brisement de Dieu. Il y a 3 choses qui me font peur. La première, c'est de décevoir Dieu. Qu'il enlève sa main de ma vie. Après, j'ai peur de cela. J'ai vu les hommes et les femmes sur qui Dieu avait enlevé sa main. C'est grave. La deuxième, c'est l'enfer. Ah oui, un chrétien qui n'a pas peur de l'enfer, c'est grave. Nous avons le salut. Mais il faut que toujours tu te dises, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Parce qu'à la fin, il dira à beaucoup, je ne vous ai jamais connu. Avant de venir ici, Dieu, alors que j'étais allongé, mon esprit est sorti. On m'a amené en enfer. On m'a fait visiter l'enfer. Pour la deuxième fois, j'ai vu des compartiments. Et beaucoup de personnes dedans. J'ai vu une jeune femme métisse. Très belle femme. Qui souffrait en enfer. Et qui disait, j'étais prostituée. Je voudrais sortir d'ici. Et un démon est venu pour l'empêcher de parler. Et quand j'ai vu ça là, c'était incroyable. Une souffrance incroyable. Et je suis sorti de là. Quand j'ai réintégré mon corps, je dis, Seigneur, si tu vois que je dévie, tue-moi. Et la troisième chose, c'est de blesser mes frères et sœurs en Christ. Parce que si tu blesses le peuple, Dieu va s'occuper de toi. Et ça, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. La justice. Et un dernier point que je voulais témoigner, comment développer pour clôturer,
La sanctification. Hébreux 12:14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que personne ne te trompe. Sans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est la séparation d'avec le mal. Vous allez voir que dans Genèse 1er, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il la sépara d'avec les ténèbres. Vous allez remarquer que quand Dieu a voulu créer le monde, juste avant la création, avant qu'il ne donne la forme à la terre, parce qu'elle était informe, avant qu'il ne puisse la remplir, parce qu'elle était vide, Dieu a d'abord amené la lumière. Or, la Bible dit la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, c'est la vérité. Dieu amène la lumière. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Il amène la lumière. La lumière te montre l'état dans lequel tu es. Nous avons des projecteurs ici. Nous pouvons voir s'il y a la saleté ou pas. Amen. Amen. Si vous allez dans une pièce où il y a du noir, s'il y a des cafards, vous n'allez pas les voir. Mais si vous allumez la lumière, les cafards vont disparaître. Ils vont se cacher. Et vous allez voir toutes sortes de saletés qu'il y a. Et vous allez nettoyer. La lumière, la parole. Si vous voulez que Dieu travaille, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous donne une forme, il faut que son règne vienne dans votre vie d'abord. La justice de Dieu. Et puis le point que nous avons, le dernier point ici, la sanctification. Et la sanctification, c'est la séparation. Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Dieu a séparé. Avant qu'il ne commence la création. Beaucoup de gens veulent voir Dieu travailler dans leur vie. Mais ils ne se séparent pas. D'abord de certaines personnes qui peuvent les influencer dans le péché. Se séparer. Des choses qui prennent la place de Dieu dans votre cœur. Frères et sœurs, la sanctification coûte cher. Dieu a dit à Abraham, quitte Longola. Ta patrie. Bima na ekolo na yo. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Na kokomisa kombo na yo monene. Au futur. Mais il aurait fallu qu'Abraham quitte. Frères et sœurs, ça coûte cher. Quand Dieu m'a appelé, Jésus m'est apparu. Il me pointe du doigt comme ça et dit, mon serviteur, tu dois me craindre. Je sortais avec plusieurs femmes. J'étais complètement dans le monde, mais j'allais aussi dans les églises. Le Seigneur m'a clairement parlé de me séparer. Lorsque vous commencez à vous sanctifier, les gens ne vont pas vous comprendre. Mais vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez avoir un impact. Vous voulez que des millions de gens soient bénis. Alors le prix, mon frère, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. À la fois présentement, dans votre ministère, dans vos projets, et également lorsque le Seigneur reviendra. Personne.
Beaucoup de gens me demandent, mais c'est quoi ton secret? Tu vois ici, vous avez implanté des églises, hop, ça prend. Tu vois là, beaucoup de blancs. Actuellement, il y a un réveil au niveau de la France. Ok, ah, des blancs qui viennent de partout. Des choses incroyables, des jambes qui poussent. Des gens possédés qui approchent le bâtiment, ils sont fous, secoués, ils sont en train de cumer, les démons sortent. Ils disent c'est quoi le secret? Les gens disent c'est quoi le secret? La sanctification. Ça va vous coûter cher. Plus vous vous sanctifiez, plus vous vous sanctifiez, l'onction qui est en vous devient de plus en plus sainte. Et plus les gens qui vont vous approcher vont sentir en vous l'odeur de la sanctification. Et moins les gens qui sont possédés vous supporteront. Amen. Amen. Frère. Ndeko. Le Seigneur m'a dit clairement de vous parler de l'évangile du royaume. Pour vous préparer pendant toute la semaine. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il veut que les cœurs se préparent. La justice. Quand cet homme est venu me voir pour me proposer 1 million d'euros, vous savez ce que je lui ai dit? Garde ton argent. Ce qui m'importe, c'est que les âmes soient d'abord gagnées. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que les gens comprennent que nous ne travaillons pas pour l'argent. Le nom de Dieu est blasphémé parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la crainte de Dieu. Vous pouvez venir toute la semaine. Mais si vous ne vous sanctifiez pas, ceux qui vous boulissent, je ne suis qu'un homme. Rien ne va se passer. Mais si chacun de vous se prépare, si vous commencez à régler tout ce qui est à régler dans vos vies, la sorcellerie, la magie, la haine, le péché, le manque de pardon, si vous vous mettez, vous préparez vos cœurs cette semaine, alors là le ciel va descendre. Parce que je sens effectivement qu'il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que vous savez que Dieu a dépêché une armée spéciale d'anges? Je vois en esprit toute la ville de Brazza entourée par une grande armée d'anges. Et je suis convaincu par l'esprit qu'après ce temps de séminaire, même le pays ne sera plus tel qu'il est présentement. Je suis convaincu au nom de Jésus que ton ministère va prendre de l'ampleur encore au nom de Jésus. Je suis convaincu que tes ennemis qui ont creusé des tombes pour toi, au lieu que tu sois enterré, ce sont eux-mêmes qui vont s'enterrer. Au nom de Jésus. Le temps est arrivé, vous allez vous préparer. Vous allez préparer vos cœurs pour toute la semaine. Parce que nous voulons voir le règne de Dieu. J'aime le règne de Dieu. Vous l'aimez, je crois aussi. Et nous allons prier pour que ce règne vienne cette semaine au nom de Dieu. Quand vous allez rentrer ce soir, méditez Matthieu 6:33. Priez par rapport à ce passage. Pendant la semaine. Et toute la semaine, notre verset de base. C'est Matthieu 6:9-10. Et Romains 14:17. Amen.